Sonia Backès réagit suite au communiqué de Calédonie Ensemble qu'il accuse, elle et Harold Martin, de bloquer, je cite, l'entrée en fonction du gouvernement. Selon elle, c'est Calédonie Ensemble est responsable. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Nord se lance dans la course hippique. Elle organise pour la première fois sa première chevauchée à l'hippodrome de Boulou-Paris. Cette course réunira que les écuries calédoniennes. Nous sommes allés à la rencontre deux d'entre elles sur Coumaquin. Suite et fin de notre feuilleton consacré aux 10 ans de l'aquarium des Lagons, même si la grande soirée demain liée à l'anniversaire affiche complet, des animations gratuites vous seront réservées ce dimanche. Nous vous proposerons un aperçu en fin d'édition. Sonia Backès, membre des Républicains calédoniens, riposte. Elle répond au communiqué de Calédonie Ensemble. Le parti a déclaré, je cite, que le plus petit groupe a décidé de bloquer l'entrée en fonction du gouvernement en évoquant leur défaite aux législatives. Je vous propose de l'écouter. Alors, je suis un peu étonnée du ton qui est utilisé par Calédonie Ensemble, puisque ils ont écrit dans leur déclaration commune de la constitution de la plateforme qu'ils avaient constitué ce groupe pour aider au dialogue entre non-indépendantistes prioritairement, puis avec les indépendantistes. Et en fait, on se rend compte qu'ils refusent le dialogue et avec nous, c'est-à-dire les non-indépendantistes, et avec les indépendantistes. Donc finalement, ils dialoguent que entre eux. C'est regrettable, on est à 14 mois de la sortie de l'accord Nouméa, à 14 mois du référendum. Je crois que les problèmes d'ego et les problèmes de rancœur personnelle doivent passer après. Ensuite, sur la question de savoir comment on en sort, je crois que tout simplement, le dialogue, c'est... En Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude de régler les problèmes en se parlant. Nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'on puisse discuter de la politique qui va être menée par ce gouvernement. Avant de signer un chèque en blanc à un éventuel président du gouvernement, il faut qu'on sache quelle politique il veut mener, puisqu'on a bien vu que la politique qui est menée par Calédonie Ensemble depuis 2 ans a amené la Calédonie dans le mur avec des centaines de pertes d'emplois, avec des entreprises qui ferment et des très grosses difficultés économiques. Donc il faut qu'on arrive à parler de quelles sont les solutions pour le RUAM et pour la situation économique. Voilà des propos recueillis par l'INSEE Ouamo. C'est la fin de l'épidémie de dengue, annonce faite par le gouvernement aujourd'hui. L'épidémie a commencé en janvier. Pour déterminer les causes, elle fait l'objet d'une étude par la Direction des affaires sanitaires et sociales et l'Institut Pasteur. Soyez tout de même vigilants. Pour rappel, la dengue a fait 11 victimes lors de cette épidémie. À Ouvéa, David Sinewami succède à Joanny Chaouri à la présidence du Sénat. C'est la décision qui a été prise à Ouvéa avec les sénateurs et aires coutumières présentes. Comme nous l'évoquions dans notre édition d'hier, un groupe de sénateurs s'est opposé à cette nomination et a boycotté le 18e congrès annuel du Pays Kanak. Ils avaient désigné Pascal Sihazé comme président. Contactés, ils ont déclaré ne plus vouloir s'exprimer avant lundi. Des nouvelles du Quai Trader après 2 jours d'immobilisation, donc à cause d'une météo défavorable, les opérations ont pu reprendre mercredi. Depuis, 73 conteneurs ont pu être débarqués. En tout, ce sont 219 conteneurs qui ont été retirés. Le commissaire déclare qu'il faudrait en retirer 300 pour alléger le navire et permettre son renflouement. Le Juvena, c'est 90% de réussite au baccalauréat. Le dispositif reçoit 70 élèves par an, par année, et sur 522 élèves depuis son existence, 252 élèves ont eu leur bac. Demain, les membres du Juvena organisent une journée festive, une occasion pour en savoir un peu plus sur cette organisation. Je vous propose d'écouter Cyprien Elia, le président de l'Association des parents d'élèves du Juvena. C'est l'interview du jour. Alors, monsieur Elia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des parents d'élèves du Juvena. On peut dire en quelque sorte que le Juvena, c'est donc depuis 1991 un outil de développement aussi du pays, enfin qui a participé en tout cas au développement du pays. Aujourd'hui, cet outil-là, on le rappelle, qui est un organisme associatif, fait face à des difficultés financières. De quel ordre elles sont ? Elle a bénéficié de financements publics et privés, et c'est vrai qu'elle connaît des difficultés. Tout le monde connaît le contexte actuel pour tout le monde, ce qui fait que le Juvena, par contre-coup, a vachement réduit son fonctionnement en raison de la baisse de ses subventions. Concrètement, qu'est-ce qui a changé ?
On a réduit le nombre de répétiteurs, hein, par rapport à votre question, c'est-à-dire qu'on est passé de 11 à 8. Et vous, en tant qu'association des parents d'élèves, quel regard vous portez un petit peu sur cette difficulté-là? Est-ce que vous, vous êtes inquiet pour l'avenir de cet outil qui est le Juvena? C'est vrai qu'on est inquiet parce que cette question qui se pose, est-ce que le Juvena va continuer l'année d'après, voilà, est tributaire de ces financements. Voilà. C'est le financement qui dépend beaucoup de, des collectivités publiques ou des partenaires publics. Outre ces difficultés que connaît le Juvena, et puis c'est, il y a quand même une reconnaissance de, enfin, des résultats du Juvena. Donc l'État a initié, je pense, un financement beaucoup plus pérenne avec les collectivités publiques. Donc c'est un financement, on va dire, un cofinancement entre eux. Et donc avec un financement qui sera régulier, on va dire. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense que le Juvena voilà, va retrouver peut-être une certaine sérénité. Mais comme c'est mis en œuvre dès cette année, donc dans la phase de mise en œuvre, dans ces conventionnements, dans ce nouveau projet de financement, voilà, avec le contexte actuel de notre gouvernement qui est un peu en, voilà. Mais bon, globalement, on va dire, les perspectives sont bonnes. Voilà, il y a un budget que le Juvena a prévu pour le son fonctionnement, qui la revient un peu à la baisse en fonction des exigences quand même, parce que bon, et puis normalement, ça devrait, voilà, il y aura plus ce souci-là, cette crainte-là des parents d'élèves que le Juvena risque de, voilà. Parce que ce financement, même si elle a du mal à se mettre en œuvre en raison du contexte institutionnel, là. Mais bon, d'ici là, quand le gouvernement sera, voilà, ce financement va se mettre en place, voilà. Monsieur Elia, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis, ben, tout le meilleur pour la suite du Juvena. Merci bien. Merci. Voilà, cette journée aura lieu demain aux Hélices, à Magenta Plage, à partir de 8h30. Nous ouvrons notre page sport. L'info vient de tomber. Les prochains Jeux du Pacifique se dérouleront au Samoa en 2019. C'est une première. Demain aura lieu le Grand Prix de la province Nord, une course hippique qui se déroulera à l'hippodrome de Bouloupari. Cette dernière est organisée par le comité hippique du Nord. Des écuries se sont préparées cette semaine aux derniers entraînements. Natacha Ougui. Nous sommes sur Pagoumé Nakumak, à l'écurie de Villers. Ange River, une jument de 6 ans, est préparée par son jeune entraîneur Rudy avec un objectif, être prêt pour courir les 2400 mètres demain à Bouloupari. Une distance jamais courue pour la plupart des chevaux locaux. Pour Ange River, l'entraînement est assez poussé, mais toujours avec bienveillance. Après, on essaie vraiment d'adapter nos entraînements à la distance, de, voilà, de les nourrir en fonction, vraiment, comme on dit, c'est l'œil, il faut vraiment regarder le cheval. Lui, quand il ira mal ou ça va pas trop, il ne le dira pas, c'est à toi de le voir. Donc, c'est vraiment déjà de voir son aspect physique, sa forme mentale et tout. Et ensuite, d'adapter tout en fonction de la distance qu'il devra courir, d'adapter vraiment ton cheval. L'entraînement de ce matin pour Ange River, c'est son quart d'heure de pointe. Autrement dit, son quart d'heure de vitesse. Mais pas seulement, le reste de la semaine, elle a eu droit à différents exercices. Des fois, il y a des jours où je fais de la nage, des fois de la marche, longtemps. Et ensuite, des jours où je fais que du trot. Voilà, c'est vraiment pour varier l'entraînement, pour vraiment un peu les travailler sous toutes les facettes, quoi. 20 km plus loin, sur Bois Panou, Vintage Magic Cool, la jument de Henrik, est aussi au dernier préparatif. Demain, elle court pour un tout autre prix, le prix de bien. Une course en stock, c'est-à-dire une course avec obstacles. Aussi, le cavalier travaille la trajectoire du cheval. Ben là, je vais la faire tourner un peu pour travailler la bouche. La bouche, c'est... On dit un cheval qui a une bonne bouche, c'est un cheval qui vire facilement, quoi, qui vire bien. T'as pas besoin de forcer sur les rênes. Elle a une bonne bouche, ça va. Pour le stock, c'est un gros avantage.
C'est comme ça, elle passe le plus près possible des pneus. Du coup, elle gagne de la distance. Dès que tu dérobes, tu vas chercher plus loin, tu fais des mètres en plus à chaque fois. Elle, ça va, elle vire bien. Pour cette première course organisée par la province Nord, la dotation globale s'élève à 3,5 millions de nos francs. La province a tenu à associer les marchés de ses communes à cet événement. Plus de 60 stands de poissonnerie, de produits vivriers et d'artisanat vous y attendent. Et si vous n'allez pas à Boulou Paris, eh bien calez-vous sur Calédonia pour suivre le football. À 17h, Yengen affrontera Mondor et enfin Bako face à Point-Dimier au stade Yoshida Kone. Yengen est toujours en tête du classement avec 56 points, suivi de Magenta et Tiga. Ce soir, dans notre feuilleton, nous allons donc parler de ce qui vous attend ce week-end pour les 10 ans de l'Aquarium des Lagons. Malheureusement, la soirée donc, de samedi affiche complet, mais par contre, vous avez la possibilité d'assister ce dimanche à diverses animations animées par les bénévoles de l'Aquarium devant les bassins, des visites guidées et des coulisses. Et surtout, la cerise sur le gâteau, le lâcher de la tortue Freya, à 15h en face du surf de l'hôtel Le Surf. Donc si vous n'avez rien à faire, notez ce rendez-vous dans vos agendas avec une équipe dynamique, passionnée et accueillante comme celle de l'Aquarium. Vous sentirez comme des petits poissons dans l'eau. Petit clin d'œil donc à notre journaliste Prosper Poigou. Reportage. Plus la peine de vous connecter sur ce site internet pour espérer acheter un billet pour la soirée du 2 septembre. Les 600 tickets mis en vente ont trouvé preneur en quelques jours. Pour les chanceux détenteurs du précieux sésame, de 18h à 21h, vous allez vivre une soirée déjantée sur le thème des pirates. Une grande chasse au trésor est organisée et permettra aux participants de remporter des lots d'une valeur d'1 million de francs CFP. Pendant la soirée, Guy Raguin proposera des tours de magie en déambulation, tandis que sa femme Karine proposera des spectacles de danse. L'Aquarium souhaitant remercier les Calédoniens pour leur soutien, la journée de dimanche sera gratuite et ouverte à tous. De 10h à 17h, des visites guidées des coulisses de l'Aquarium seront organisées toutes les demi-heures pour des groupes de 15 personnes. Différentes animations vous seront proposées par les bénévoles et les techniciens devant les bassins de l'Aquarium. À noter que des lots seront également à gagner. À 15h, sur la plage en face de l'hôtel Le Surf, l'équipe de l'Aquarium procédera au relâcher d'une tortue prénommée Freya, une petite tortue verte de 23 kg et 57 cm. Pour de plus amples renseignements, contactez l'Aquarium au 26 27 31. Amoureux ou amateurs des huîtres, manger des huîtres c'est bien, c'est même très bon, mais pour qu'elles soient consommables, l'ostréiculteur est le maître en la matière. Antoine Reiss en a rencontré un d'Imbéa, je vous propose un extrait. C'est des mailles de neuf, hein? Neuf. Mais voilà, ça a déjà été... Neuf, ça veut dire que c'est des huîtres qui ont quel âge, à peu près, là? Ils ont à peu près un an et demi. Un an et demi, déjà. Ça a déjà été brassé et tout, mais voilà, il faut toujours faire ça. Quoi. Et tu vois, t'as des huîtres qui sont collées, hein, comme celle-là, là, tu vois? Ouais. Ça, c'est pas bon, faut toujours qu'elles soient... Non, faut toujours qu'elles tapent à peine, là, puis tombent, hein. OK. Voilà, des fois, c'est dur, mais ça paraît pas, hein. Des fois, il faut les recentrer, ça. Brassage, c'est... Parce que les huîtres, faut surtout pas qu'elles soient accrochées. Oui, voilà, faut pas qu'elles soient accrochées, parce que après, quand tu vas les récupérer pour les trier, pour les calibrer, ouais. Tu vois, si t'es obligé de taper une huître, des fois, ça casse. Puis, c'est foutu, ouais. Quoi, ouais. D'accord. Voilà, votre émission Entre Terre et Mer, c'est demain à 19h20 sur Calédonia. Parler à haute voix quand on a des difficultés à s'exprimer, j'avoue, c'est difficile, surtout quand on est obligé de parler en public. Pour aider les jeunes concernés, l'université a organisé hier la deuxième édition du concours d'éloquence. Je vous propose un extrait de la prestation de Waiting, Kayel et Cécilia. Donc aujourd'hui, durant ce concours d'éloquence, j'ai décidé de faire un sujet particulier. Comme moi, je suis particulière.
Donc, je vais vous parler de moi et des clichés qui m'entourent. Donc, je me présente, je m'appelle Wu Weiting Emma. Donc, certains vont se dire, hey, mais dis-moi, ça signifie quoi ton nom en chinois? Ça n'a pas forcément une signification. Et puis, ceux qui sont anglophones, ils vont se dire, mais si, ça veut dire waiting, it's attendre. Moi, quand j'entends école et diversité, j'entends fraternité. Fratrie, fratère, terre, mer, berceau de la diversité. École, place des savoirs, on sort du noir pour aller vers la lumière. Si toutes les branches et les racines se dispersent, elles se regroupent en un seul et même tronc. Ma définition de l'esprit critique. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'observer un sujet et d'y apposer un jugement négatif. Donc faire preuve d'esprit critique, c'est remettre en cause un sujet. C'est peser le pour et le contre en quelque sorte. C'est mener une réelle réflexion en se demandant ce qui serait bon et moins bon à prendre en cette chose. Voilà, c'est Cécilia que vous venez de voir qui a gagné le concours d'éloquence. Ainsi s'achève ce journal. Merci de m'avoir accueilli chez vous à suivre la météo. Puis notre émission, bienvenue dans la bande. Bon week-end à tous.